Au tirage au sort, voilà, tu vois, parce que là, il y en a des nerveux, là, regarde, tu vois. Chaque année, on essaie d'organiser un petit événement porteur de certaines valeurs. La jeunesse, c'est forcément une des grandes valeurs puisque c'est les gens qui sont derrière nous. Le principe aujourd'hui, c'est donc de gravir cette piste Robert Blanc. Il y a à peu près 600 mètres de dénivelé. 1 euro par mètre de dénivelé positif et négatif qui vont être collectés par l'ensemble des jeunes et des très vieux. À la fin, ça fera un chèque. On ne connaît encore pas trop le montant. On remettra tout à l'heure le chèque à la Fédé pour justement le Pôle Espoir. Ensuite, nous avons Carole. Donc je remercie Carole Montillet. Et cette richesse, à travers le défi Terre Essence, c'est le moyen peut-être de la donner. En tout cas, c'est le moyen de la communiquer plus rapidement à cette jeune génération pour leur éviter peut-être des impairs ou en tout cas pour les mettre tout de suite et les orienter tout de suite sur la bonne voie. We learn so much. Terre Essence, en plus, c'est une marque bien connue dans le monde immobilier, du tourisme. Donc, ce sont des gens qui s'intéressent à notre activité touristique. Donc, tout ceci fait qu'on se retrouve dans une ambiance agréable. On peut parler de beaucoup de choses, beaucoup de projets. Faut que tu les fasses glisser plus. Allez, copine! Par rapport à cette expérience d'aujourd'hui, on arrivera à les suivre encore plus, puis un jour aller les voir en bas d'une Coupe du Monde, puis dire bah, tu te souviens quand j'étais monté là-haut? Ah, c'est plutôt des côtés sympas. On partage des choses. Et puis c'est vrai que moi quand j'étais jeune, mon rêve c'était de rencontrer des grands champions. Et c'est vrai que je pense que pour eux c'est la même chose. Et le petit truc en plus, des fois, bah, voilà, c'est ce qui fait la différence au niveau. Je suis super content. Parce que tout est positif, regardez. C'est bientôt les maillots. Et on s'est mis une bonne suée. Non, c'était super sympa. Il fait un temps magnifique, regardez. Et voilà. Et nous, on a fait une petite suée, on a aidé les jeunes, et c'est ça qui est l'essentiel. Donc, quand on a des flèches là, elles sont montées vite. Moi, plus tard, mon objectif, c'est championnat. Olympique, du monde, j'ai gagné le globe, et tout, dit. Et le globe au général, elle a oublié. Ah oui. Ah voilà, tout. On est jeunes quand même. Puis on a, c'était notre métier quand même, un peu de s'entraîner physiquement, donc heureusement qu'il y a encore des restes, mais c'est vrai qu'il fait pas bon vieillir, on monte de plus en plus doucement et on descend de moins en moins vite. Des fois la peau elle accroche pas, du coup c'est... Ouais. Lucie était derrière moi. Et c'est, en faisant un effort comme ça, ça crée des liens beaucoup plus forts que seulement dire bon on va se rencontrer, on va discuter. Quoi. Là je crois que c'est, voilà, on en a bip ensemble, en montée, et maintenant on va partager, discuter. Et si ça peut être un petit truc qui leur fait gagner des centièmes pour gagner des médailles, ben, on sera content et fier. Il y a un champion olympique et là un futur champion olympique. Donc c'est ça aussi tout le sens, c'est intéressant. C'est qu'en 4 ans, ce petit jeune, mais il sera peut-être sur un podium olympique. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il faut aider les jeunes. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas encore cette fibre pour le ski, et je pense qu'on a, avec les stations qu'on a,
On a une économie qui marche, fonctionne très très bien. Et je pense qu'on peut avoir la même place que le foot justement, en amenant tous les gens autour de nous et en amenant des partenaires comme eux qui investissent en montagne. Oh le croche-patte! Il m'a tué le bras! Il m'a retourné le bras! Voilà, alors je rappelle qu'il y avait aussi un objectif, hein, c'était de récolter des fonds pour le pôle espoir. Un mètre parcouru était égal à 1 euro. Alors on a fait le calcul, je ne connais pas le montant encore, mais ouais, je préfère pas le voir. Je vais remettre aujourd'hui, venez, est-ce qu'il est à l'endroit, un chèque de 20 396 euros. Voilà, je vous voilà, pardon, je vais te tenir, vous pouvez vous lever. Voilà, et j'espère que vous en ferez, mais j'en suis convaincu. Voilà. Non, c'est pas possible.